Le boucher d'Antony. Alors non, je ne vais pas vous parler de boucherie, de viande, non. Les victimes du boucher d'Antony s'expriment. Je me suis mis à hurler de douleur. Je n'ai jamais autant hurlé et souffert de toute ma vie. Il m'a brisé, dit les patients. Dénoncer les pratiques violentes d'un gynécologue d'Antony. Les femmes souffrent toute leur vie. Et on ne dénonce pas, on n'ose pas dénoncer les gynécologues, ceux qui normalement vérifient si tout va bien. Pour les femmes. Et certains, là, on parle d'Antony, avec des témoignages, mais hélas, il y en a d'autres. Il y a d'autres femmes qui rentrent chez elles qui disent qu'elles ont souffert de leur visite médicale obligatoire pour voir si tout va bien. Il y en a qui se font agresser. Certaines n'osent pas en parler. Certaines pensent que ça doit être normal. Et pourtant non. Mais est-ce que, question, c'est que, est-ce que le boucher d'Antony et puis les autres, s'il y a des plaintes, est-ce que ils vont aller en prison ou on va dire, c'est un gynécologue, c'est normal. Non. Est-ce qu'il va aller en prison? C'est ça la question. Nous, on laisse courir, comme beaucoup de personnes. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas laisser faire. Je me permets d'en parler. Je ne suis pas l'une des victimes, mais ça ne m'empêche pas d'en parler, de dénoncer ce qu'il se passe et de les soutenir tant que je peux, bien sûr. Tant que je peux. Et vous aussi. Vous, si vous êtes victime d'un gynécologue, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, il faut le dénoncer. Qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais attends, c'est normal, tu comprends, parfois, il peut, voilà, il fait tel ou tel truc, il peut avoir un geste malheureux. Non, il n'y a pas de geste malheureux.